Salut les techniciens, c'est Hamslo, j'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le Royal Rumble. Notre adversaire aujourd'hui, c'est l'Artsoft. Faut savoir donc que l'Artsoft n'a toujours pas gagné dans la série et nous, on n'a toujours pas perdu. Donc j'espère ne pas perdre en disant ça, mais surtout j'espère gagner 3-0 ou 4-1, quelque chose comme ça, pour avoir enfin une amélioration spéciale. Parce que c'est vrai que là, en termes d'amélioration, vous allez voir donc avec notre équipe, c'est pas très génial. Étant donné qu'on a fait un nul contre Axo lors du match précédent, on a le droit donc à 2 joueurs or non rares et 1 joueur or rare. À 3, vous allez voir donc les améliorations. Donc 1, 2, 3. Donc voili voilou. On a évidemment récupéré, alors évidemment la bonne nouvelle c'est qu'on a récupéré le El Sharoui Squad Building Challenge. On m'a autorisé à le reprendre, donc ça c'est vraiment cool. Je remercie encore la Soft et même vous, hein, parce que vous m'avez autorisé entre guillemets à le remplacer par rapport donc à El Sharoui Fut Birthday. On a donc Roger, lui c'était un peu, vous étiez nombreux à me dire qu'on était un petit peu obligé de prendre Roger pour le lien brésilien avec Douglas Costa et aussi Miranda, du coup en défenseur gauche. On s'est fait un petit peu plaisir, on a pris un ancien technicien, ancien joueur 5 étoiles de GS Technique, il a 4 cette année. J'espère qu'il fera le taf, mais j'en doute pas, il a quand même des stats plutôt sympathiques pour un défenseur gauche. Et puis pour notre joueur or rare, j'ai décidé de prendre donc Koulibaly. Pourquoi Koulibaly? Parce qu'il a des stats vraiment énormes, je trouve que c'est un très très bon défenseur central. Et il nous fallait, tu sais, vraiment un gros gabarit en défense. J'aurais pu prendre Kilny ou Bonucci, mais j'avais pas assez de crédit à ce moment-là. Donc j'ai préféré prendre Koulibaly, qui coûte largement moins cher. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut absolument faire un gros score aujourd'hui. Comme ça, on peut vraiment améliorer notre équipe. Et c'est un petit peu l'objectif. Gros score, but skill, évidemment, la victoire. On est parti les mecs, on va inviter l'Arsoft, donc let's go. On est là, on est présent, donc c'est parti. Je pense qu'il y a une moins bonne équipe que nous, du coup. On a 87 de collectif, on voit un petit peu les notes. Donc c'est cool, c'est vraiment cool. J'espère qu'on va bien jouer, c'est un petit peu le principal, pourquoi pas un petit but skill évidemment, mais on va se concentrer aussi sur la victoire et repartir avec donc de belles améliorations tout simplement. On va un petit peu checker son équipe, il a que des joueurs non rares, donc ça veut dire il a fait que perdre, c'est ça le délire, je crois que c'est ça. Bon bah les mecs, hein, c'est parti, on est parti pour ce match contre l'Arsoft. Oh là là, gardien, c'était contré ça, bien joué Duart. Oh, Marquisio, on a du mal là dans ce début de match. Mais non, pas lui. Mais pas lui. Mais pas lui, mec. Qu'est-ce que tu nous as fait, Duart? Je suis mort, en plus le but il est super joli. Je suis archi mort là. Je suis en train de faire la plus nulle première mi-temps de tous les matchs FIFA que j'ai joué cette année. Oh, il la sauve sur la ligne, enfin pratiquement sur la ligne. Ah, ce match il va être compliqué, hein. Il va être très compliqué là si on concrétise pas nos occasions. On va le perdre, hein. Oh là là, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance, punaise. Si j'avais pas fait l'erreur avec Joe Hart là, mais je comprends pas, je vise tout en bas et il vise au milieu, il vise dans l'axe. Faut pas viser dans l'axe dans les dégagements comme ça. Je joue en ultra offensif dans cette deuxième mi-temps, même si je vais laisser des trous dans ma défense, je suis obligé de jouer comme ça. Faut absolument revenir au score là, c'est n'importe quoi. Oh là là, tu te fous. Oh là, c'est pas possible, là, franchement, c'est pas possible. Si El Sharoui, il peut pas marquer ce genre de but, franchement, là, on est maudit. On est grave maudit. Non, mais là, il ouvre son pied complètement. Franchement, c'est pas digne de lui, là. C'est pas digne de lui. Il nous fait une offrande, nous aussi. Nous aussi, c'est la même chose. Cette fois-ci, et là, El Sharoui, il la met, hein, évidemment, comme par hasard. Mais là, par contre, juste avant, il la met pas. Bon, on revient au score, un but partout, les mecs, 53e minute de jeu. On aurait dû marquer juste avant, mais franchement, là, il faut se réveiller, là, c'est pas possible, c'est pas possible.
juste là. Ok. Franchement, c'est... waouh, j'arrive à rien du tout. Ah là 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 là, punaise, il faut le marquer le deuxième but là. Je pensais pas que ce match allait autant galérer. Oh là 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 là, il doit pas l'avoir, il doit pas l'avoir là, je suis trop pressé dans ce que je fais. Je fais n'importe quoi. Ah là là, faut que je rentre le ballon en fait avec mon joueur. Faut que j'aille dans les cages. Je suis grave déçu, franchement, je suis super déçu. Franchement, on a eu les occasions et on n'arrivait pas à marquer. On a fait une erreur, lui aussi il a fait une erreur. Mais on aurait dû marquer plus de buts là, j'arrivais pas à trouver le Charaoui. Mais bon, en tout cas, bien joué à l'Artsoft, c'était très très serré jusqu'au bout. Mais je suis quand même déçu. Je croyais que notre équipe allait vraiment être performante en attaque, mais il n'y a que El Charaoui. Et vu qu'on n'a pas beaucoup trouvé dans ce match, on n'a pas eu beaucoup d'occasions de frappe, genre Douglas Costa et Cuadrado. On a raté quand même de grosses occasions dans ce match, hein, on va pas se mentir les mecs. Un petit peu déçu de finir sur un nul comme je vous l'ai dit à la fin du match. Mais c'est le jeu, encore une fois, bien joué à l'Artsoft. Et nous du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit à 3 améliorations. 2 joueurs or non rares et 1 joueur or rare. A vous de voir en tout cas dans les commentaires les mecs, je vous laisse ça en tout cas comme question. Mais c'est vrai que là j'étais un petit peu déçu et puis même le dégagement de Joe Hart. Tu vises tout en bas et il vise dans l'axe. Tout le monde sait qu'il faut pas viser dans l'axe. Pourquoi il vise dans l'axe? Enfin bon, voilà, on a commis des erreurs dans ce match. Et ça veut pas dire évidemment qu'on a perdu ou qu'on va pas pouvoir se qualifier en finale. Vu qu'il nous reste le match contre Abdoulaye Sarr. Ce match-là va être très très important parce que va falloir le remporter, évidemment. En tout cas, c'est ça les mecs. N'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, à aller checker la description pour aller tout simplement soutenir tous les participants. Évidemment, sur FIFA 18, la série sera de retour avec beaucoup plus de participants et un peu plus de motivation de tout le monde. Parce que c'est vrai qu'on a fait ça à l'arrache, comme je vous l'ai dit. C'est vrai que pas mal de personnes disent en mode que c'est moyen, tu vois, les règles et tout ça. On est d'accord, évidemment, on a fait ça à l'arrache pour voir si vous étiez chaud, en fait. Pour cette série et du coup on va bosser un petit peu plus pour donc la saison Royal Rumble sur FIFA 18. En tout cas les mecs, n'oubliez pas de chausser vos crampons, de prendre soin de vous, c'est très important. Et on se dit à la prochaine, ciao ciao les amis.